Oh là là. Bonjour. Bonjour. Ça démarre bien la journée, mais alors, j'ai le soleil en pleine figure. Bonjour à toi aussi. Bon, ben, la dame qui court, sympa. Je me réveille, j'ai pas super bien dormi. J'ai réfléchi au portail et tout. Toi, j'ai les clés de la propriété de Margarida. Je vais aller l'ouvrir. J'ai vu qu'elle est juste de l'autre côté. Voilà, c'est cette clé-là du château. Et j'ai réfléchi et je vais essayer de voir avec Margarida. C'est pas hyper grave si je rentre pas, quoi. Il faut quand même voir les choses lucidement. Oh là là. Quand Margarida a décidé quelque chose, la voilà. Attends, je finis d'ouvrir. Voilà. Bonjour ma belle. Bonjour. T'as bien dormi? Ouais, et toi? Moi aussi. Bon, c'est calme ici. Hein. C'est tranquille. Et puis Cassie, elle est dehors là? Ouais. Depuis tout à l'heure, elle est dehors. Pas de problème avec la voiture? Pas du tout. Non. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, ça va. Ouais. Tu vas où là avec déjà les planches et tout là? Travailler. Écoute Margarida, j'ai réfléchi, regarde. Là, on a une pente. D'accord? Là, on a une pente. Mmh. Bah là. Là, c'est en pente. Oui. Là, on a une grosse pente. Il faut remplir un peu ça. Oui, mais c'est pas grave, ma chérie, si je reste dehors. On est bien. Et là, même... Non, mais je coupe ici un peu, tu vois. Et après, avec les... Ah, une table, une planche d'un côté et de l'autre côté, et ça va... Non, non. Non, non, je prends plus le risque, là. Je pensais aller sous mon camping-car, là. Je vais aller voir un peu. Eh? Non, non, non. Non, non, je rentre pas. C'est pas grave si je reste dehors. Regarde comme je suis bien, là. Je suis bien là. Non, mais là, je vais le faire avec toi. Parce que même si tu coupes 10 cm de profondeur, ce que tu n'arriveras pas, ça ne suffira pas. Parce que là, c'est vachement en pente. C'est pour ça que je mettais les planches ici pour une rue ou une autre rue. Et ça va passer. C'est pas grave. Mais je vais le faire. Bon, d'accord. Bon. Bon, ben moi, je vais aller sous le camping-car voir ce qu'il y a raclé. S'il y a quoi? Ce qu'il y a frotté. Ah! Je vais aller... Et après, je vais regarder. D'accord. Non, mais ça a été tranquille. Oui, oui, je sais, il n'y a pas grand-chose qu'à râpé, frotté. Oui, j'ai vu. Moi, ben, je veux aussi voir... Là, on voit la trace. Bon, oui. Voilà, c'est pas beaucoup. Mais ça fait rien, je vais quand même aller regarder. Oui, oui. Je vais quand même regarder dessous. D'accord, je vais mettre les, tiens, les clés du château. Non, il faut que tu ailles ouvrir la porte, que tu ailles de l'électricité ici. On va fermer la porte. Bonjour toi. Salut toi. Voilà, Rubi de Starey. Bon, allez, je te laisse ressortir. Tu fais bien attention, hein. Tu fais attention, Cassie, hein. Bon. Va-t'en, magnifique. Bon, après, recherche. Donc, tout d'abord, Cassie. Donc, Cassie, effectivement, il y a la route qui est juste là, hein, parce que je suis au bord de la route. Oui, mon petit chat. J'ai déjà laissé sortir tout à l'heure. C'est pour ça que là, elle est moins stress pour sortir. Voilà. Elle sait qu'il y a des voitures, elle a compris. Ah, elle a l'habitude, on n'a pas toujours posé la maison à roulettes dans des endroits absolument fabuleux. Je suis déjà posée sur des parkings de supermarchés, de centres commerciaux pour y dormir. Donc je la laissais sortir, elle voyait les voitures, etc. Donc elle a l'habitude.
Donc là, je vais la laisser sortir. Je vais rester ici. Ça y est. J'ai réussi à ce que Margarida entende raison. Je suis passée sous le camping-car. Donc, pour les connaisseurs, je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir te dire le nom. Effectivement, ça a frotté un peu. J'ai vu que c'était un peu frotté. C'est un machin en ferraille juste devant, avant le pot d'échappement. Voilà. Mais ça n'a pas beaucoup, beaucoup frotté. Donc, c'est bon. J'ai reculé pile à temps. La route n'est pas très passante. Bien évidemment, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une voiture. Donc, je vais rester là. J'ai décidé. Je reste là. Là, je vais traîner un petit moment. Comme ça, Cassie va pouvoir... Elle est déjà allée de l'autre côté, là, de ce côté-là, tout à l'heure. Là, je pense qu'elle va peut-être y retourner. J'entends un outil. C'est peut-être Margarida qui a décidé, malgré tout, de couper le béton, je ne sais pas. Mais bon, pourtant, on est quand même tombé d'accord qu'il faudrait mettre de l'autre côté de la pente, donc la pente intérieure. Ouais, ça doit être ça, elle doit être encore en train de couper. Mais moi, je lui ai bien dit clairement que c'est fini, terminé. Je n'essaie même plus de passer. Voilà. C'est pas grave, c'est pas... Pour moi, comme je lui ai dit, il y a des choses bien plus importantes dans la vie, hein, voilà, bien plus graves. Bon, la minette est partie. Voilà, on va être voisine, regarde, elle n'est pas loin. Ça va me faire marcher, de faire les allers et retours, et puis c'est tout. C'est pas... Pour moi, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de casser encore mon pot d'échappement. Tiens, je vais te faire voir comment il était la première fois que je suis venue et que je ne t'avais pas fait voir. Donc, tu comprendras que cette fois-ci, j'ai pas envie de risquer une deuxième fois. Donc, ma première visite chez Margarida a fini. Ah non, pas avec Bella. C'est la chienne du garagiste spécialiste dans les pots d'échappement. Ça a fini chez ce garagiste. Donc, en plus, c'était un spécialiste qui était à Loulé. Donc, pour amener Coquelicot jusqu'au garagiste, il a fallu faire tout un détour pour ne surtout pas passer sur les ralentisseurs. Donc, tu comprendras que je n'avais pas du tout envie de recommencer cette expérience. En plus, Coquelicot n'est pas passé entre les barres, tu sais, pour monter le véhicule, parce que les rétroviseurs, comme tu le vois, ne passent pas dans les barres en ferraille. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, tout allait super bien, quoi. Ça a été le monsieur qui est venu sur la chaussée pour réparer carrément directement le pot d'échappement, donc le démonter, le détordre, le réparer et ensuite le remonter. Quelle première visite! Donc non merci pour la deuxième. Voilà, retour de Cassie, le nez dans une des gamelles. Là, elle n'a pas trop mangé ses boulettes. Là, elle est avec les croquettes. Comment ça va, mon petit chat? Ça va? Oui, ben j'ai le nez dans la gamelle. Faut pas essayer de m'interrompre. Et le bruit qu'on entend, c'est Margarida qui doit être en train de scier je sais pas quoi. Non, 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 niette Margarida, je ne bougerai pas mon camping-car. Nous avons une femme tenace devant nous. Mais même si elle fait ça, je n'essaierai pas encore une fois. Tu veux boire ma chicorée café? Non. Oh, ça va. Merci, mademoiselle. T'es la plus belle, hein? Elle est sur sa peau de bête, tu sais. Pipo, Pipoca.
la pipo. J'ai l'impression, hein. Ça fait beaucoup que pour deux personnes. Hein. De la quoi? Ouh chouchou, je sais pas du tout là. C'est du persil. Non, c'est pas du persil. Coriandre? Ah. Miam miam. Miam miam. Ça s'appelle miam miam. C'est bon, miam. C'est pile au bon moment parce qu'il y a les nuages gris qui ont décidé de venir. Des poivrons quand même, mais on est quand même fin novembre, on a des poivrons. Et tu as trouvé aussi des quelques feuilles de roquette. Alors du bacalao, des noyaux d'olive fait maison, là aussi des légumes du jardin et santé. Une femme heureuse. Est-ce que tu es une femme heureuse? Très heureuse. Alors, c'est l'essentiel. Tous bien, la compagnie, elle est bonne. Tous parfait. On demande rien de plus. On va manger. Bon appétit. Bon appétit à toi, ma belle.